Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites de l'aventure sur State of Decay. Nous allons évidemment changer de personnage. Heads up, gang. Scouts are reporting a horde heading our way. Soldat. Allez. Horde détruite à l'avant-poste et vive les pièges. Ah ben c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Donc, on va s'occuper de la horde. Ouh, elle est belle en plus. Ouh, elle est belle. C'est bon ? C'est bon. Alors, c'est quoi ça ? Ah merde, quelqu'un a besoin de parler. Ah, oh, tu fais chier, Roger. Bah écoute, tu vas patienter un petit peu, moi j'ai du boulot. Voilà. Au bout d'un moment, il faut prendre sur vous les mecs. Hein. Non mais c'est vrai quoi. J'adore la batte de baseball. C'est vraiment la base quoi. Alors, est-ce qu'il reste quelque chose là-dedans? Il y a des ressources, ok. Chaque fois, je les rate, mes attaques santé. Et pim, oh man. Puis on va se faire un petit avant-poste ici. Oh putain, j'ai encore un gogol sans... C'est bon ça. Un gogol sans sac à dos. Alors, alt. Maybe later. D'accord. Il faut que je vide tout avant de faire l'avant-poste. J'avais oublié. Je croyais que c'était juste qu'il fallait que je le sécurise. Ok, c'est parti. Des fois, t'as le perso qui réagit plus très bien. C'est quoi comme bagnole ça? Un taxi? Pas terrible. Pas terrible. Après, il y a la bagnole de flic hein, qui marche super bien. De toute façon, c'est comme ça dans tous les jeux et c'est comme ça dans la vraie vie. Hein. Enfin, non, pas en France. Mais les véhicules de flic sont censés être les meilleurs, quoi. C'est vraiment con de me forcer à défoncer la porte alors que je viens les aider, quoi. Wesh gros. Damn it. Where the hell could they be? Come on. I'll help you track them down. Come on, I'll lead the way. Zombies up ahead. Go through or go around? Bah tiens, on parle en bagnole de flic. Si j'ai le temps, en sortant, on fera un échange de bagnole. Putain, il y a une horde de zombies qui arrive. Je suis mort. Ça va, ils arrivent au compte-gouttes. Oh, c'est une petite horde, ça va. C'est une ordinette. Une petite horde, pas bien méchante. Ah, je peux pas laisser les médias. Putain. Sérieux, donne un sac à dos, quoi. Ouais. Tu pouvais pas t'en occuper du zombard pendant que je m'occupe de l'infrastructure, moi.
sérieux quoi. Et bouge-toi. Zombies on our six. Stay alert. Il est où le survivant de mon... Sit tight. I'm bringing this stuff home. I'll see you soon. Bon, le but c'est toujours de trouver la survivante. Hein. Le survivant. Je sais pas pourquoi là. Enfin, souvent ils sont dans les garages comme ça. Hello? Thanks. Tiens. You okay? Come on, we gotta allez, on se casse. Thanks for coming to get me. I'm ready to leave now. I'm loaded up. See you back at base. Ok. On retourne à la bagnole, je ramène tout ce beau monde chez eux et on est tranquille. C'est le GG. Oh, ça ferait un bel avant-poste ça, non? Hmm. Tu vois pas la taille du truc toi? C'est peut-être même une base, non? Alors. Allez, tout le monde monte. Merci. C'est bon? Ça a l'air bon. Alors, on va aller fouiller un peu cette... Putain, là, c'est une espèce d'entrepôt géant. Alors, ce serait quoi, une base ou... Ça pourra pas faire un bon QG, il n'y a pas de mur d'enceinte ni rien. Supermarché. Mmh. Intéressant. I'll run this on. We'll be ready. Not now. D'accord. Let's set up camp here. Does it have a good wall around it? Like a defensible perimeter? Well, no. Not exactly. Ok. Je peux pas mettre mon QG ici. Bien. Tu vas parler qui? Oh là là. Ah mais t'as jamais... Enfin c'est tout le temps... Il y a tout le temps des mecs dans la merde quoi. Tout le temps. Ah bah t'as pas le temps de t'emmerder hein. Alors hop. Wesh gros. C'est qui veut parler là? Ah, le cogneur, déverrouillé. Moi l'enfoiré. Non mais... Thank you.
Continue à barricader, je vais sortir les... m'en occuper, ouais. Chaud, 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 chaud. Oh putain, il est déjà niveau 4 en combat, allez. 5, pardon. Moi, tu nid d'elf, attends. Je sais pas si t'as vu, mais je suis un petit peu occupé, moi. Hein. J'ai pris des cachets. Allez, respire, mon gros. Un petit snack. Voilà, super. Bon, j'imagine que ça se barricade pas, ces petites lucarnes là. Ok, ça c'est fait. Niveau de puissance 3. La puissance! Ta mère. Putain, puis y'en a pas un qui sortirait m'aider. Bon, d'un autre côté, on t'a demandé de barricader la base. C'est pas pour... Oula. Mais j'ai plus d'armes, là. C'est bon. Et hop là, je rentre à la maison. Oh, mal, 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 mal. Un héros a été aperçu, ça veut dire quoi ça? Escorte. Oh, tu fais chier. Non mais j'ai plus de points de vie quoi, sérieux. Stop, stop, stop. Ce serait pas prudent. On arrête les conneries, on se casse. Je vais revenir avec un autre survivant, du matos, tout ce qu'il faut, mais là non, c'est plus possible. J'ai même plus d'armes de corps à corps. C'est qui veut ceux que je viens de sauver, j'imagine. Escorte, survivant amico, ok. Ouais, mais on va être combien là-dedans? J'ai plus de place dans le... Si. Au bout d'un moment, il va plus y avoir de place ici. Alors, un nouveau personnage. Pied de tape, pistolet X-Lock. Elle est sûre d'elle. Ah, elle aimait faire des brocantes, c'est important. Non, blague à part... Mais j'ai une compétence de sexto, c'est ridicule. Clou 2x4, pas d'armes. Alcoolique, alcoolo. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. Il a pas de sac à dos, fais gaffe. J'ai un peine de l'avoir, la bagnole de flic, elle est déjà ruinée quoi. Zombies behind us. Okay, this is looking good.
Headshot. Allez, on se casse. That didn't suck. We'll follow. Shit. Shit. I'm ready. Break its fucking skull. Ok, parfait. Tac, tac, tac. Allez, hop, on rentre à la baraque. Hop, on discute pas. You got it from here? Thanks. We got it from here. Voilà, par contre, on va rentrer à, on va passer à 13, quoi. C'est beaucoup. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de site de base potentiel. Ah, c'est peut-être là qu'il faut que j'utilise le van. Le van me permettrait peut-être de changer de base, en fait. Je vais attendre d'avoir un message. Ils vont me dire, oh, dis donc, Krug, on est un peu serré au fond de cette boîte. Il faut que j'aille l'aider, elle va péter un câble et... Donc dans State of Decay, quand quelqu'un ne va pas bien, on l'emmène tuer des gens. De toute façon, il va falloir qu'on fasse... Ah merde, c'est la porte à côté. Dans le garage? J'ai une arme au moins. Bon, ça va. Boum, boum. Ah, c'est... Ces gerbes de sang dégueulasses. Pim. See? Things aren't as bad as they seem. I appreciate it. We should get moving. Lead on. Shit. Shit. I'm ready. C'est pas la première fois qu'on est obligé de sauver de remonter le moral de Marley. C'est vraiment un survivant de merde. Ouais, une survivante. Ouais, un peu de boue. Pas sûr que ce soit très utile avec la quantité qu'on a déjà récupérée. Bon. Ça coûte rien. Pim pim pim. Oh, raté. How's it going? I'm almost there. There you go. Don't say I never gave you anything. Sweet. Sweet. Oui, ça c'est bon, d'accord.
pourquoi tu m'emmerdes, toi? Mais non, mais rentre chez toi. Thanks for the pep talk. Oh, tu fais chier. It helped. Good. Bon, je crois que c'est bon. Impeccable. Ok, petite infestation. Infestation, bonjour, bonjour. L'infestation tout seul sans flingue. Heureusement que j'ai même pas peur parce que... Comment je te les ai calmés? C'est bon, c'est vide là, non? Il y en a un derrière. Enfin, lui, il vient se greffer au délire, quoi. À la base, il était pas là. Encore un problème sur lequel on doit se pencher. Ok, bon, on va déjà retourner changer de bonhomme. Demi-tour. Non, mais je pense que je vais... Là, je vais rentrer, puis prochaine étape, on va changer de... Je vais utiliser le van. C'est plus pour voir un petit peu concrètement ce que ça fait. Est-ce que je vais changer de base, garder mes survivants voir un petit peu, quoi. Découvrir un peu l'intérêt du mode breakdown. Ok, amis viewers, je te laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Des bisous, à demain. Ciao, ciao.